Salut à tous, c'est Swanton. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Palworld. Alors du coup, j'ai été farm vite fait de la pierre, un peu de bois, et bon, j'ai récupéré deux trois conneries autour. Ça, on l'a du dernier épisode. Donc du coup, voilà, je vais ranger un peu tout ce que je peux. Voilà. Alors j'avais mis la pierre ici, mais les mecs, voilà, rangent un peu n'importe comment. Alors, hop, ça c'est bon. Ça, on va se le garder. Et je vais cuire gentiment mon petit. Voilà, mes petits champignons, je vais les cuire. Alors par contre, ouais, on peut faire que une seule chose à la fois. Alors du coup, il faudrait quand même 2-3 2-3 feux de camp, je pense, par la suite. Mais bon, bref, voilà. Alors donc, on s'est arrêté comme ça, direct. Et. Ok, très bien. Allez, va jouer ailleurs. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait améliorer le camp. Donc, on va le faire, vu qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Voilà, on peut construire un concasseur, une carrière et une scierie pour améliorer le camp au niveau 7. Je sais pas si j'ai la technologie, je ne pense pas. Voilà, non, c'est tout est là. Un concasseur, c'est ça qu'il veut? Concasseur, ok. Donc, il faut que je sois... au moins level 8. Donc bref, alors on va se faire, ouais, on va s'en faire, on en a combien? On en a 5, on va s'en faire 10. Voilà. Ouais, voilà, tu peux venir m'aider. Ça serait stylé. On va se prendre un peu de palium. Palium. Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ouais, on peut transformer la pierre par la suite avec le concasseur justement. De la pierre en palium, le bois en textile. Donc ça, c'est vraiment stylé de fou. Le palladium, et il y a un petit truc aussi qui est assez demandé. Il me faudrait l'arc. Ah ouais, lui nous le file par exemple. Le typhon nous le file direct. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc assez demandé. Alors, je sais pas s'il y a un moyen de le fabriquer, mais j'aimerais bien. Ça serait tellement stylé. Hop. Est-ce qu'ils nous ont pas rangé des trucs? Ouais, si, ils nous ont rangé des trucs, les mecs. Hop. Et voilà. Alors, on peut se faire des sphères. On va se faire le bouclier, je pense. Ouais, on va se le faire. Et là encore, ça va vite hein, pour la fabrication du bouclier. Mais il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment très longs. Alors, on est obligé de capturer les pales de toute façon. Parce que je vais vous montrer juste après, là. Parce que j'ai pas envie d'arrêter. Voilà. En gros, là, il y a des technologies, par exemple ça, voilà, débloquées en capturant un certain pal. Donc ça veut dire qu'en fait, on est obligé d'aller les chercher, parce que sinon, on n'a pas la technologie, quoi. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on a les flèches enflammées et l'arc de feu. Et bah, en fait, les deux marchent ensemble. Je peux pas faire des flèches enflammées et le vieil arc. Ça marchera pas. En fait, j'aurai pas de flèches. Le vieil arc, ça marche avec les flèches. Point, c'est comme ça. Du coup, j'ai plus assez de bois pour faire l'arc. Alors, on va se faire ça vite fait. Il nous manque 106 points d'XP pour prendre un level. On sera level 7. On essaiera de se faire ce que nous demande pour améliorer le camp. Et là, on va aller légèrement se balader. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Là, on n'a rien encore. Voilà, donc l'arc. C'est pour moi une des meilleures armes du jeu pour l'instant. Même si je sais qu'après on peut se faire des fusils à pompe ou des mitraillettes, je crois. Alors voilà, c'est un truc de fou. Hop, on va le récupérer. J'ai des flèches. 66 flèches. On peut se manger ça. Et on va aller se capturer 2-3 pales là, vite fait. Est-ce que je pourrais pas lancer ça? 50 de bois. Vas-y, allez, je fais ça vite fait. Comme ça, je pourrais mettre des mecs dedans. En gros, je mets un poulet et un mouton et ça me rapporte de la laine et des œufs. Et les autres s'amusent à gentiment me les ranger en bordel dans mes coffres. Et je crois qu'il me manquait vraiment, vraiment pas grand-chose.
Je vais monter à 10 textiles pour être sûr. Et par contre, alors les haches en pierre, la pioche en pierre, ça s'use à une vitesse. C'est fou. Je crois qu'on est à 10. Oh, ok, super. Bon, je le termine quand même. Voilà, très bien. Et là, on va pouvoir sauter. Tout ça en planant. Et ça, c'est beau. C'est exactement ça que je voulais faire. Voilà. On va se la placer ouais, par là. Ah, on peut déborder, non? Hop, voilà, très bien. Combien de temps il faut? Ouais, 2 minutes. Bon bah voilà, je vais faire ça pendant 2 minutes. Oh, ça va. Oh là là. Ils commencent à m'aider les mecs là. Ça va super vite en fait. Voilà, très bien. Alors là, normalement, logiquement, si je dis pas de conneries, on devrait. Voilà. Le mouton va y aller tranquillement. Et il devrait lâcher de la laine assez régulièrement. Et ce qui est plutôt sympa, parce que la laine, c'est quand même un truc assez demandé. Voilà, donc j'ai laissé un tout petit... voilà, j'ai laissé un tout petit peu tourner le jeu. Et du coup, j'ai déjà récupéré un peu de laine. Voilà, ils m'en ont rangé un. Pas fou. Ah, j'en ai récupéré une deuxième, c'est cool ça. Combien il en... Bon, 2 tissus. Je vais déjà en lancer un. Et au pire, on va dormir. Voilà, très bien. Bon, on n'a même pas vraiment besoin de manger, en fait. Hop. Ah, ils l'ont même pas fabriqué, les gars. Abusé. Il me manque une laine. Ah bah, voilà. Très bien. Et là, on va même récupérer des œufs avec ça. Et ça, c'est quand même plutôt stylé. Et en vrai, voilà, des œufs, je commence à en avoir un peu. Vraiment, vraiment cool. Hop, tac. Je sais pas pourquoi je les prends sur moi à chaque fois. Parce qu'en vrai, je peux les faire de là. On va se virer ça. Voilà, c'est bon. Hop. Et on va essayer de se faire ça. Donc, il me manque un tissu. Voilà, qu'on parte au moins pas... Voilà. Les objets, c'est un petit peu plus long. Mais en vrai, ça va, hein, ça va. Parfait, voilà. On est un petit peu plus classe. Et on est surtout un petit peu plus protégé. Est-ce que je me suis fait la lance? Non, j'ai pas la lance. Ok, je vais me faire la lance. Je vais les laisser faire... Et on va se réparer les outils. Hop, ça c'est bon. Alors ça met un peu de temps entre le moment où... En vrai, elle est réparée là. Voilà. Des fois, ça, c'est un bug d'affichage un peu. Là, on est bon. J'ai tout réparé. On va se jeter un œil à la map. On va aller par là, je pense. On va se mettre un petit marqueur, voilà. Allez, c'est parti. On part à la conquête de... mais on n'a pas pris de pales avec nous, c'est dommage. J'aurais dû en prendre un. Oh, un œuf. Ça, c'est cool. Il y a un autre truc qui brille là-bas. Ah bah... Un œuf angleux. Angleux ? Pas sûr. Il y a un truc qui brille aussi ici. Il y a vraiment plein de trucs cachés partout. C'est des flèches, ça me va très bien. C'est même tellement caché que ça en devient limite... Oh. Attendez, je l'ai pas, ça. Viens là, toi. Ouais, je pense que... Eh non, tu te calmes, par contre. T'es pas en mode attaque, non? C'est bon. Et voilà. On a un nouveau copain. Et on a un petit coffre. Ça, c'est stylé. Ok, clé de bronze. Alors ouais, alors clé de bronze, je sais pas vraiment à quoi ça peut servir. Enfin, si, je sais à quoi ça sert, mais j'en ai pas encore trouvé. Il y a des coffres apparemment qui sont plus ou moins fermés. Et du coup, on peut aller... là, c'est quoi ça? Il y a un boss ici de level 13. Oui, mais non, on va pas y aller. Enfin, pas maintenant en tout cas.
On peut peut-être se monter des trucs là. Allez, on va se faire ça. Il fallait ça aussi. Et bon, on va se faire ça. Et je voulais prendre ça. Voilà. De la cloche pour changer l'état d'alerte des pales au sein du clan. Il est possible de passer de l'option attaque des intrus à concentration sur le travail à tout moment. Alors c'est vraiment, vraiment cool. Alors, ah, c'est ça que j'ai essayé de chasser la dernière fois. Voilà, viens là toi. Il est complètement inoffensif. Oh, je l'ai raté. %48. Est-ce que ça va passer? 39%? 59? Oh, c'est bon ça. Là, normalement, ça devrait passer. Eh, mais non, même pas. Mon gars. Allez, là, ça passe. Parfait. Et voilà. Alors. J'ai vu un truc propriétaire de l'auberge. On va aller voir. Voilà, ça bouffe mon endurance. Et du coup, après, je me crache. Alors, ici. Un gros œuf sombre. Ça peut être rigolo. Ah, il y a une grotte ici aussi. C'est la même, non? Ouais, grotte de la colline. C'est un donjon. On n'est pas encore assez fort, je pense, pour le faire, donc. On peut lui parler? Il paraît qu'on y trouve plein de pales rares. Ok. Ah, le petit. Le petit vendeur d'objets. Je veux acheter. Alors, j'ai pas vraiment grand-chose. Plan de bandeau, longues oreilles. Plan de chapeau de sorcier. Graines de blé, on va en acheter une. Voilà. On va voir si on peut planter du blé. Voilà. Ah, donc du coup, voilà. Il y a une boussole en haut là, où on peut voir plus ou moins les voyages rapides. Ça veut dire que là, si j'ai envie de revenir pour. Ah, il nous reste 2 points technologiques. Ça, on pourrait se le faire. Il est sur les structures cassées. Allez, au cas où. Si jamais. Il nous faudrait ça aussi, les torches. Les torches à poser pour la base. Ce serait pas plus mal. Est-ce que vous voulez pas me donner des trucs, vous? J'ai croisé ce pal aussi énorme que puissant. Ok, le mec me donne rien. Ok. Bon, il parlait du boss, du coup, je pense. Alors, il y a tellement de trucs cachés que ça donne un peu le tournis. Tu peux pas monter? Si. Pourquoi tu veux pas? Y'a rien? Ok. Je suis monté pour rien. Qu'est-ce que c'est que ça donc? C'est celui que j'ai. Oui. Oh, ça. Ça, on n'a pas. Attends. Je vais me filer un coup de main. Oh, 55, je pense que c'est bon. Ah, j'ai pas pris la lance. Ça, c'est moche. Et lui, il va mourir en plus. Bon, bah c'est bon. Il m'en veut plus. C'est très bien. Alors oui, ils ont des caractéristiques. Lui, je sais que. Et lui, il fait de l'extraction level 1. Et on peut l'améliorer, donc. Oui, il m'attaque, lui. Moi, tranquille. Attends, je voulais montrer un truc. On va récupérer quelques champis. Ça, je prends. Au level 11. On est level 7, ça va être compliqué, je pense. On va se diriger par là. Je sais pas ce qu'il y a. Alors attendez, il y a un truc d'extraction ici. Là, il y a un boss. Là, il y a un boss. Là, il y a un boss. Là, ça doit être le. Je sais pas ce que c'est ici. Il y a un truc d'extraction, mais je crois qu'il est par là. Donc, on va plus se diriger dans le coin.
Ah, quoique, on pourrait peut-être aller par là. Allez. Ah, c'est notre base ici, en fait. Lui, j'aimerais bien le capturer, lui, là-haut, là. Il est quand même assez balèze. Pourquoi ce bruit? J'entends un truc, mais je sais pas d'où ça vient. C'est lui? Pourquoi il est si grand et pourquoi il est... Arrête toi! Oh, 54%! Peut-être moyen. Et ça passe! Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, lui? Il est vraiment balèze! Ok, très bien. Ça me va. Et donc, c'était lui qui brillait. Et très bien. On va repasser à la base vite fait. Je vais aller voir si je peux pas installer 2-3 trucs. Oh, il y a un coffre ici. Moi, je le veux. Voilà, très bien. Des pièces d'or. Ça, c'est bon, ça. On est à combien de pièces d'or? 1000. Alors, ce qui est cool, c'est que les pièces d'or, ça ne pèse absolument rien. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Ah, oh, poil précieux. Le marchand les rachète à un prix très élevé. Ouh. Ok. Alors, en espérant que c'est pas un objet utile. À mon avis, ça va pas le faire, ça. Ok. Eh, t'aurais pu ramasser la pierre, là, bordel. Bon, on est vraiment pas trop mal, là. On a un bon début de quelque chose. Je vais même choper ma lance. Et on va essayer de se placer ça vite fait pour voir. Hop, construction. Alors, concentration sur le travail. Ok. Alors, ouais, du coup, on a dû choper une technologie qu'on n'avait pas à l'époque. Voilà, sur ça. Celle pour lui. Et on va essayer de se la faire. Et on peut se la faire, donc c'est très bien. Je vais installer tout le monde ici, là. Hop, 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 voilà. Alors, on va virer lui. Et on va le remplacer par lui. Ils ont les mêmes caractéristiques ou pas? Ouais, c'est tout pareil. Ok. Un troupeau de pâles sauvages, mangeurs d'hommes. Oula. Est-ce que... Bon, alors déjà, on va se faire ça. Dépêche-toi. Allez, cours. Voilà, attaque, intrus. Non, ils m'ont tué. Ah, moi, je viens juste là, histoire de. Hein. Oh, attendez, lui. Ah, je l'ai raté. Ah, putain, si je crame toutes mes trucs... Bon, si ça le fait. Ah, ça va peut-être le faire. Oh, on est bon. Excellent, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Ils ont fui? Ah non, il y en a un à 60 mètres. Ah, lui. Ah, lui, je suis chaud, lui. Mais viens, approche. Non! Qui me l'a shooté? C'est lui? Surpuissant le mec.
Et on va aller choper le petit là-bas, là. Oh, il est mort. Le pauvre. Viens là, toi. Non, il a fui. Enfin, il a des pop. Oh, c'est triste. Ah, je suis déçu. Tant pis. Est-ce que je pourrais pas attirer un gros comme ça, là? Est-ce qu'on l'a, lui, monsieur Patate, là? Sans déconner. Par contre, inventaire. Oh, on a récupéré une pièce ancienne de civilisation. Vraiment stylé. Alors, je sais que ça sert à un truc. Je saurais plus vous dire quoi. Je sais pas si on l'a. Ouais, 51%. Alors, même si on l'a pas, je pense qu'on va se le faire, là. Ouais, c'est bon, ça passe largement. Merci à toi. Première capture, voilà. Donc, c'est bien ce qui me semblait. On l'avait pas. Ok. Bon, on va aller s'améliorer un peu le village. Bon, déjà, on va passer la nuit. Ok, alors. Je voulais me faire ça. Ah, mais non, c'est là-dessus. Celle pour Roche War. Ah bien. Dans un anglais parfait. Ok, alors je voulais faire ça aussi. Nourriture. Hop. Plantation des baies. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que des baies? Allez, maintenir pour construire. Ok. Semer. Qu'est-ce que je sème? Ah, je sème des baies rouges. Ah ouais, mais non, mais moi je veux pas ça. Ok, bah tant pis. Je ne saurais pas. On va se faire production. Ça doit être là-dedans. Il nous manque du bois. Et là, là, on a ce qu'il faut. Ok. Alors ça, je vais pas le mettre trop loin de la maison. Sinon, à déplacer, c'est vraiment calvaire. Voilà. 1 minute 39. C'est énorme. Mais je vous laisse le faire, les gars. Voilà, donc déjà, là, normalement, je dois avoir... On va vérifier, quand même, mais je dois avoir un gars qui fait de l'extraction. On va regarder ça vite fait. Voilà, lui, il fait de l'extraction. C'est très bien. Hop. On a la selle. Je peux se refaire une caisse en bois, en vrai. Voilà. La mettre là. Voilà. Donc là, du coup, je crois qu'on a fait la scierie. Et il nous faut le level 8. Oh, il nous manque 31. Oh, bah vas-y. Je vais taper du bois vite fait pour voir. Ruée mortelle. Mouah. Excellent. Ah, on a un point disponible. En attendant que l'enduit remonte, je vais augmenter ça. Encore. Est-ce qu'on en a jamais assez? Ok. Regardez-moi toute cette laine. Alors, je voulais me mettre la scierie. On va se la mettre à côté, je pense. Hein. Voilà. La mettre là, tranquille. Et on va vérifier. Oh, d'ailleurs, je vais leur laisser le faire. Voilà, là, on a une pierre. Et on a gagné un level. Parfait. Donc technologie, on va se faire ça parce que ça c'est vraiment vraiment utile. Meuble de rangement en bois. On va se faire ça. Et je ne sais pas. Allez, on va se faire ça. Et je vais garder les deux autres parce que là je sais que il va pas tarder à nous demander la source chaude et la fournaise de fortune. Je vais monter ça. Ou je monte l'endurance. Ouais, allez, je monte l'endurance. Voilà, c'est pas plus mal. Alors, est-ce que on a un mec qui fait de la pierre? Ah bah, lui, il fait de la pierre. Ok, très bien. Et maintenant, en stockage... Ah, voilà, on a les caisses, les boîtes en bois. Il nous faut du bois. Jusqu'à là, tout est normal. Voilà, parfait. On va s'en mettre deux des concasseurs, mais là je vais en mettre un par la suite. Mais
Voilà, 1 minute 20. Ils vont gentiment m'aider. Ok, voilà. Donc, on peut faire du textile et du palladium. Et ça, c'est vraiment stylé de fou. Ça, c'est vraiment chiant à avoir. Vraiment. Enfin, c'est long, en fait. Si vous n'avez pas le concasseur, c'est vraiment long. Lui, il me fait de la pierre comme ça. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, c'était ça. C'est ça. Il y a beaucoup de trucs à faire. Lui fait de l'arrosage. Donc normalement c'est bon. Hein. Au pire on va aller chercher un petit éléphant là. Vite fait. Fournaise et source chaude. Voilà comme je vous disais. La source chaude. Voilà. Il nous manque encore un niveau. Et la fournaise de fortune. Il nous manque donc deux niveaux. Et des organes d'allumage. Alors les organes d'allumage ça se trouve sur les pales. Qui sont en feu. Ok. Donc on va se rajouter un lit. Voilà, parfait. Donc, on a le lit et on va pouvoir aller chercher un petit éléphant. Je crois que j'en ai pas du tout. Hein, des... oh. Lui, il est... Alors, j'en ai vu tout à l'heure. Au pire, lui, on peut peut-être se le faire, non? On lui fait vraiment très peu de dégâts. Là c'est un peu mieux. Manage. Ouais 9. Faut l'affaiblir un peu plus. Oh 32, ça va peut-être pas passer là. Ouais non. 50. Ah c'est peut-être jouable. Allez. Yes. Ça passe normalement. Excellent. Chef d'abattage. Ok, c'est cool. Bon, c'était pas pour ça qu'on est venu à la base. On était venu pour chercher un petit... Ah, quoique, il a peut-être une caractéristique... C'est quoi ses caractéristiques à lui? Alors, qu'est-ce qu'il nous... Bah, lui, il fait de la ferme. Ouais, on sort complètement. Oui, il lui tire dessus. On pourrait le choper en fait. Il va être utilisé comme monture. J'ai pas la selle pour lui. Hop là, voilà, très bien. On va essayer de se choper un éléphant. Il y en avait plein tout à l'heure ici en plus. J'ai pas ça. Il me semble que j'en ai pas. Et il me semble que c'est un truc assez cool. Bon bah voilà, j'en ai un maintenant. Voyons voir. C'est quoi ça? Ils s'aiment pas trop entre eux, j'ai l'impression. Oh, il y avait un homme. Alors je sais pas si eux, on peut les capturer. Je pense que oui. Pour qu'ils viennent défendre notre base, hein, nous, un peu. Alors, on va se refaire des sphères, on va se refaire des flèches. Oh, quoi qu'on est à 30, c'est pas trop mal. On va se faire tout ça. On va faire passer la nuit et on va se téléporter. Il y a... C'est quoi, ça? Il y a rien du tout. En vrai, je m'ennuie, là, mais... Voilà. Voilà, c'est quand même un petit peu plus rapide. Et ça consomme? Ah non, ça consomme son endu. Ok, vas-y, va faire du caillou. Je sais que t'aimes bien ça. On a dit qu'on se faisait des flèches. Et qu'on se faisait... des pales. Ok, alors on va se faire... Ah, c'est le bois où on galère un peu quand même. Personne ne fait les flèches. Les mecs, vous déconnez là. Ok, on peut se faire des petits plats. Très bien. Voyage rapide. Ici, je pense qu'il y a moyen qu'on en chope. À côté de l'eau, comme ça, il y a de fortes chances qu'on en ait.
c'est quoi ça? Un œuf gelé. Ok. Ah, il y a une grotte ici aussi. Est-ce que c'est du level 13 aussi? Level 13. Grotte de la colline. Ok. Oh, ça, on n'a pas ça. Ça me suffirait largement. Que je le touche. Là, je le touche. Allez, viens, mon copain. Oh, je l'ai raté. 49. Oh, ça va être chaud. Oh, ça passe. Parfait. Bon, vas-y, arrête de l'embêter. Voilà, le fluide de pâle. Vous en trouvez surtout sur les trucs à eau, quoi. Alors, on peut grimper absolument partout. Ça, c'est stylé. Alors là, je vais pas monter, je pense. Voilà, évidemment. Il y a quelqu'un qui a faim dans mon équipe. Il m'a tout bouffé. Et moi, si j'ai faim, on fait comment? Oh, une méga sphère. Ça, c'est méga cool. Bon, allez, je vais me trimballer un petit peu sur la plage. Je vais le ranger. Il est beaucoup trop fort. Voilà, je pense que c'est bon, 80. Bon, vas-y. Merci. Un petit fluide de pâle. Très bien. Voilà. Parfait. Voilà, très bien. Du coup, on va rentrer. Là, c'est parti. Oh bah non. Bon, je veux bien ce petit coffre là, vite fait. Allez mon gars, tu peux le faire. Des petites âmes de pâle. Alors ça, ça augmente. Voilà. Faire une offrande à la statue de puissance et en extraire le talent caché. Alors là, on va rentrer. Oh, et puis là, regardez, il y en a partout maintenant. Mais j'en ai un. Oh, regardez, il y a quoi là-bas? Ah, mais ouais. Attendez, je vais essayer d'y aller. Un truc volant, ça me ferait kiffer. Quand même, aller la chercher, on l'a vu depuis le début, là. Voilà, très bien. Et alors là, pour remonter, je vais bien, bien galérer. On va faire le tour. Ou genre je me mets là, j'attends que mon enduit remonte, et normalement, parfait. Oh. Il est fou lui. Voilà, il est rentré. Il m'a fait tellement mal. Oh attends, attends, attends. Non mince, oh j'ai jeté ma seule et mon unique. On va faire 5 vite fait. Allez, le butez pas, le butez pas, le butez pas. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Faut que je la prenne, faut que je la prenne. Hop là. Dis-moi que c'est bon. Non, c'est pas bon. Oh non, il est mort. Ah, dommage. Il y a moyen que ça passe, en fait. Parce que du coup, le gars nous demande
Une fournaise et un truc chaud. Donc la fournaise, c'est la source chaude, c'est pour bientôt. Et la fournaise, il manquera un niveau. Donc au pire, je peux peut-être faire un petit peu de off, juste histoire d'aller récupérer du bois et des conneries, quoi. Ouais, je vais me faire ça, je vais me blinder en bois et tout. Quoique, attendez. 63 de bois. 42 pierres, peut-être ça va. En fait, on est bien. Donc du coup, je voulais me faire des flèches pour la prochaine opération. Des flèches. Allez, on en fait 10, 15. Je peux en faire 20. Oui. Ok. Et là, je vais me refaire un deuxième établi, je pense. Voilà. Comme ça. Comme ça, en vrai... ça a été tellement vite. Comme ça, je peux faire... Ici les flèches et ici des sphères. Je vais en faire 11. Allez, c'est parti. Les mecs vont gentiment me le faire, tranquille. Et comme ça, la prochaine fois, on ira vraiment là où je voulais aller, c'est-à-dire par là, à peu près. Donc c'est tout droit, quoi. Donc du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.